Bonjour, je m'appelle Emma, bienvenue sur Info Garasi. Après le public, dites-moi, donnez-moi des noms. Madame, donnez-moi le nom de votre mari. Retour. Les piliers de l'équipe de rugby de Saint-Jean-de-Luz. C'est tout. Il se donne. Il se donne jusqu'au bout. Vous l'essayez en blanc? Vous l'essayez? Venez! Vous venez de quelle région? Quelle région? Les Ardennes! Les Ardennes! Quel village? Mais c'est dans le GPS? C'est bon! Ouais, on peut partir! Le monsieur qui a le masque bleu, il y en a beaucoup. Vous comparez et vous vous rendez compte que les masques sont très costauds. Le monsieur au lieu de noir là, hein, en blanc, oui. Point. Alors c'est rien, vous avez les strings au pied, mais c'est pas grave. Venez essayer. Calça. Ah, on vous a raffiné. C'est décontaminé? Dylan, c'est décontaminé là? Les deux sont faits, d'accord. Vous nous venez de quelle région? Ah, vous connaissez Pontivy, les Bretons? Vous connaissez Pontivy? Ah, il y a une dizaine d'années, on a été au 65 ans de la Falsab. La Falsab, c'est comme le jeu rue réussi, mais pour les Bretons. On les a ratatinés.
ça. C'était ou pas? Voilà. C'est pas breton, c'est basque, c'est avec le pied. C'était bien de l'applaudir. Alors, Dylan a fait 5 tours. C'est pas plus, c'est bien. 5 tours. Comme votre précédent concurrent a fait un tour et demi, pour arriver au niveau de basque, il faut que tu fasses 3 tours et demi. Ça va. Les chingas, je ne bouge pas trop. Deuxième levé mito. Deuxième levé. Xavi. Alors, le masque devait être une journée de travail à la collectivité publique. Cette journée de travail, on l'utilisait à empirer les routes. Le propriétaire ou un domestique partait travailler pour la journée. On ouvrait une carrière là où on pensait qu'il y avait des cailloux. On sortait des blocs transportés par des charrettes et des tombereaux. Avec une petite massette, on cassait ces cailloux et on les talait sur la route. C'est un petit peu l'ancêtre de la DDE, direction départementale de l'équipement. Et on a remarqué qu'à ce temps-là, les routes étaient bien empirées. Alors là, maintenant, il a trois possibilités, trois coups pour une fois, et ça y est, allez, une fois, il a envoyé. Il travaille chez Dassault dans le pôle qui donne l'autorisation finale. Deuxième levée. Ça y est, Mathieu est prêt.
Vous partez au soufflet. Prêt. Allez, 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 allez. Victoire de Matin. Matin. Avant, par exemple, on commandait 10 poutres de 6 mètres de long, on le faisait avec la scie. Et si on voulait des poutres carrées, on le faisait avec la hache. D'ailleurs, la première hache au monde pour faire est une hache basque. Vous vous doutez? Eh bien, je vais vous expliquer. Je l'ai tout à fait vu à la télé à 3h du matin, tout à fait par hasard. Et j'ai un des chercheurs américains qui est venu me voir en anglais il y a 3 ans maintenant, parce que le temps passe. Ils étaient étonnés de voir les Hurons et les Iroquois se battre avec des petites haches, dont une sur deux, d'outils de jardinage, dont le siège est à Irul et qui a 4 filiales à travers le monde. C'était les marins basques de la Fontarabie, Andai. Et je vous parle le troisième, qui partait à Terre-Neuve, pêcher la baleine. Alors là, Dylan, qui est un habitué, et Jean, qui est un nouveau. On a toujours un souci de formation. Merci de nous avoir suivis. Super.